Ah. J'ai sol majeur qui marche pas. Il y a quelqu'un qui peut m'aider? Ah, Rachel, Robin. J'ai sol majeur. Je peux trouver une solution pour sol. Non, avec le. Non, bah, c'est trop petit. L'autre. Moi, ça marche pas. Ça marche pas. Faut réparer peut-être. Vas-y. Non mais ça, on a compris, mais... Non, majeur. Majeur. Ah, content. Non, il n'y arrive pas. Non. Ça marche. C'est cassé. On a cassé sol majeur, vous trouvez. Avec vos élèves, ça marche? Parce que moi, mes élèves, ils comprennent. Sol majeur, ils n'y arrivent pas, on a mélangé tout. Il faudrait trouver un mécanicien, peut-être. On a un mécanicien dans le coin pour nous expliquer sol majeur. Ah bah si, il y a le mécano qui est là. On peut avoir sol majeur? Tu peux nous réparer sol majeur? Oh là là, ces profs, c'est terrible. Hein. Non mais alors les profs, maintenant, je ne sais pas, on vit un siècle, ils savent même plus enseigner une gamme, rien du tout. Ils ont toujours besoin d'affaires à moi, heureusement que j'ai mon tournevis magique. Bon alors heureusement, je fabrique des vaisseaux spatiaux, moi. Je vais vous envoyer dans le temps, vous allez voir. Parce qu'à l'époque, il y avait des compositeurs, ils prenaient la gamme de sol majeur, ça se passait comme ça. On mélangeait toutes les notes de sol majeur et on arrivait à composer des morceaux quand même. Hein? Bon, alors, voyons voir, mise en place du siège, ça va? Attends, je tourne vite, toi. Oh là là. Bon, les mômes, sol majeur, il paraît que ça marche pas. Ah, ça marche pas. Alexandre, une gamme de sol majeur, c'est quoi? Je vais dire. Dites-moi, une gamme de sol majeur, c'est quoi? C'est rien? Ouais, c'est un problème qui doit être réglé par les profs, d'accord. Si un prof ne sait pas ça. Non, normal. Heureusement, attention. Tournevis, baguette magique. Attention, il va y avoir un démarrage de vaisseau spatial. Attention, décollage immédiat. Tout le monde en place pour le décollage. Destination Florence. Florence, une ville d'Italie. Il y a eu plusieurs inventions. Attention, attention.
faire redécoller le vaisseau à chaque fois quand même. C'est bien. Hein. Et on arrive à Venise. Venise, il y avait un grand compositeur, hein, Vivaldi par exemple, qui c'est là-bas. Hein, c'est ça, hein. Ça rentre hein, la gamme de sol majeur hein, quand on mélange les notes, hein, c'est plus sympa. Hein. Attention, Venise. C'est une fois. Hein. Thank you.
première et de deuxième année. Alors, c'est une petite chanson américaine qui s'appelle Oh Susanna, dont vous connaissez l'air, je pense. Vous avez Victor Lalanne, Camille Mau, qui sont en première année, et Louis Senoble, Senoglès, pardon, en deuxième année. Thank you.
qui est écrite à l'origine pour orchestre à cordes, qui s'intitule Pizzicato Polka. Vous entendrez tous les 1er janvier à Vienne, dans le répertoire de l'orchestre de Vienne, à l'orchestre symphonique de Vienne, écrite par Strauss, père et fils Strauss. Thank you.
Thank you.
Thank you.
de ce que vous êtes tous là, surtout les violoncellistes, pour vous présenter le nouveau professeur l'année prochaine, Rachel Serra.